Je le repiquerai, le fondu. T'as fait ma confiance, c'est pas seulement une question de boulot. Maintenant, c'est une affaire entre lui et moi. Vas-y, les malades. Notre métier, c'est d'empêcher les saloperies, pas d'en faire. Mais arrête, Albert, je suis pas d'humeur à discuter. Mais Coy, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Et si je plonge pas dans votre combine? Alors je le garde. Et par la même occasion, je te boucle pour racolage. Ça m'embêterait, notre bien. Parce que moi, c'est physique, j'ai horreur de faire de la peine à une jolie fille. Regarde-moi. T'as pas me dire que tu m'aimes plus, hein? C'est pas ça. Mais si le fondu se doute de quelque chose... Eh ben, c'est lui ou moi, choisis. Et puis t'avises pas de corriger ta femme en rentrant chez toi, hein? Passe l'éponge. Choisis, choisis. J'ai pas le choix. Tu me fais te marrer. C'est marrant. Je sais pas si t'as remarqué, mais les hommes, ils se font toujours coincer à cause d'une bonne femme. Sopoli. Allez-y, emmenez-moi, j'en ai marre, puis qu'on en finisse. Bah d'accord, mais avant, on va aller chez Émile tous les deux. Pourquoi faire? J'espérais que t'étais pas une ordure, je voulais pas que t'en sois une. Oh, Julien, crois pas ça, oh non, c'est pas vrai, je te jure que... C'est lui, c'est le fondu. Bah vas-y, t'es encore flic pour 8 jours, qu'est-ce que t'attends? Ouvre le salon. Personne avant toi. Il n'y avait rien, moi, jusqu'au jour où je t'ai connu. Je peux pas accepter de te perdre. Je peux pas. Mais faudra bien que tu t'y fasses. Moi, avant toi, j'avais Gilbert. Mais avant, pendant et après, n'est-ce pas? Madame s'est payée un dur, un vrai, pour la changer de son petit jeune homme bien élevé. Et la vie continue. Non!